Wamise falama. Selon la rumeur, Wombara, on a vu encore la vidéo de notre frère Djibril Hadji, qu'il a été encore convoqué par les avocats, que KPC veut relancer sa plainte du côté du Sénégal. Parce que Wombirin KPC Colomberto, de façon technique, parce que j'ai toujours dit et réitéré dans mes vidéos ici que ces gens-là, ils n'ont rien. Sosé Banaba, Foulé Banaba, on connaît la Guinée, la perversité qui est là-bas. Personne n'est banal, c'est sous couvert de trucs, on fait de la propagande. C'est la politique qui dit à KPC, Rafi Atongo. Va, mais de façon technique, ça c'est tome 2. On a tome 1 Naïki. Parce que c'est une série de vidéos. Donc, on nous basse Guinée Tongo, on barre à Colo, basse Guinée à Canafé. Sur le plan politico-intellectuel, on a Tongo politique Krayama, nous Karamiri Krayama, on a Colo Narena, on a Guntagi, on a Manini Narena. C'est des Kassori, des Kirdi Bangura et autres. Parce que, avant la Narena, mais ce sont les gens qui se sont fait démarquer. Dans cette communauté de basse-côte, Kassori et groupe de Kiridi, Bangura, Malik, Sankong et j'en passe. Quand nous sommes Tongo, quand Nakolo, ils nous ont trahis. Quand Malik, quand Kiridi, Bangura, tout à l'heure, mais on va m'assurer une série de vidéos. Toi, on va m'assurer Kiridi. On a fait un arrêt. Wombara que sur ce plan politico-intellectuel, la basse Guinée a été trahie par ses propres fils. Les gens qui devaient être là pour redorer notre blason, et ramasser basse-côte, et ramasser Duniebe, basse-côte n'a qui n'avait sur le plan politico-intellectuel, les Kassori et les Kiridi et j'en passe, ils nous ont vendus à 30 pièces. Jida a choisi Matinara na Kassol. Mais, avant la Kassol, Rani. Mais Kiridi Bangouré n'a rien fait pour suivre ce pas-là. Amouné Ralima. Wannou Kenama, on vient sur le plan religieux. Sur le plan religieux, la basse-côte a été trahie. Wannou Elas Mamadou Saliou Tongo. Lorsqu'on a compté Yamane. Il l'a katabou na fi Racheli. Chez nous, ça fait remède, j'ai mis un attendant arabe pour y rumber colo. Attendant maintenant, on dit voilà, là, ça raconte bien. Mais quel enfant qu'on défend, on a un là, ça lui ou tout, à ta mouna, on dit colo, son nom dit. À la grande colo, son nom, à la main de la fille, rima, on a un brave, on a un rafou. Donc, sur ce plan religieux, Wombarato, la basse-côte encore, est dans la trahison. Imam Elal Saliou, le premier imam de la Basse-Guinée ou de la Guinée, il a vendu sa communauté comme Kassori à 30 pièces. Nabambara Womati, foule nous, maninke nous, borema à 30 pièces. Wombi Kelmani, Womfamane sur le plan entrepreneurial. Womkandare Fawom Makatafe, à business krayama, à staria krayama, on a wongunyite. Eh non, on a kele imani sinde wongfama sur le plan coutumier. On balako, le kuntigi de la basse-côte. Et là, c'est on a comme, tout comme Kassori, tout comme, ma, et là, je Mamadou Saliou, à là, c'est on a aussi, il a trahi la communauté. Il a vendu la communauté à 30 pièces. Comme ses frères, Kassori et Elas Saliou. Mamadou Saliou, premier imam. Wana Kolo, n'avant la Guinée, trahi Riki Nare. Il crée un enfant fantôme du n'importe quoi. Mounaji, chéri, bonjour, bonsoir. Wana Kolo, Elas Saliou, Wendy Kenama, quatrième plan sur le plan entrepreneurial de business, il a été ma kata,
vino te bore fanga fala un e docteur sanu ki fan si anai fo de fan si anai won barato basko tun dende wa tv kpc e compagnie de antonio soare ne fan na men na namba e ga de tema e ga ga fe kana ne fan. Ils ont vendu la valeur entrepreneuriale de la basse-côte à 30 pièces au Malinke et au Peul. Et quand on y mire Malima, il y a mire Kana. Les cap ici. Les j'en suis. Donc, Wambarato, basse-côte n'a rien fait un coup. Mais il y a fait un rare parce que la trahison, comme disent nos sociophories, un affala. Il a voulu tomber à Yabou Bombo. En avant d'Ori, certainement, il a bombo et Folonama. Parce que la trahison, ce n'est pas autre chose. À quel année vous m'a dit? Nous avons fait la Réna Obebe. Nous avons expliqué la Réna Obebe. Ce se dit, ça m'a dit qu'il avait 30 pièces. En tant que vous êtes à Réna Ma, moi, ma scapé, c'est la Guinée équipe entraînée, mais Barca Taréna, nous n'avons pas autour de Saradi. C'est ce se dit qui dit, hein. Donc, Abouya Loris Dramé, sur, tu sais, non, voilà, sur le plan entrepreneurial, le plan culturel est inclus dans ça. Parce que, Wambarato, je remercie ma mère, bonjour, bonsoir. L'entrepreneuriat n'a rien à qui est Starmania avant culture, Abirin Kerenara, parce que Wali n'a pas. Donc, comme Abouleï Loris même a souligné, je vais triquer un peu le cas de Manolo. Comment ça a été saboté? Au top, tout en amont et en aval, c'est triqué par le truc de KPC. Parce que, on nous succède maintenant sur le plan culturel. C'est les Lévi Bobo, les Mousto Kamara et j'en suis. Ces anges-là sont nourris et blanchis par KPC. Et KPC n'est qu'un pourcentage de ce banditisme d'État qui est en Guinée. Il n'a jamais, KPC n'a jamais une entreprise, non. C'est le banditisme d'État. Donc KPC a tellement levé les commandements. Donc, ce se dit maintenant, voilà, sur le plan de qui tirera celle-là. Ah, voilà, maintenant, les Kabakoudou, les autres là. Ana, voilà, c'est qu'a dit. Ana, voilà, c'est qu'a. Ana, ma vie, la soude, les vies, ana, c'est qu'a, Francis, l'aura, Mousto Kamara, ana, c'est qu'a, n'a bien sa concert là-bas. Al midi, on m'y a concert assisté, moi, je paye. Il a, on va venir sur ça, drame. Il a, bata. Ça, c'est une autre vidéo. Donc, Wambarato, KPC, attend, ce se dit d'être un fait bori, et t'en as la ruine. KPC, misère à Bari. Parce que, Moubarakil dit, Bangoura a fait Fala, et la manigan, c'est la repri basse-côte. Parce qu'à basse-côte, n'a la marane ou mamadi rambra. Alors, ma candela, oulé, n'a la fala la bonne. Avant la fée, Alpha Condé Ngasso Sena, à Sotara Kera Bamba. Donc, à l'Aïssa, on a fait un phare dans le Wainanda. Attends, on va banal, attends, la moule Ramfala. L'Aïssa, on a ta moule, attends. Avant la fée, Amamadi Baradi Soto, avant la Rilissa, dans un compte où, un enfant fantôme. Donc, maman dit, on m'a dit, on m'a dit, parce que KPC, Mbarafale, mais tu penses que tu n'as pas de défaillance. Tu n'as pas de faiblesse. Mais KPC,
Voilà là où la boue, nous sommes arabes. Il n'y a de force et de puissance qu'à Dieu. Il va rien être fini tôt. Fais la rambine à la Guinée sur le plan de la perversité. Il t'a rambine à Réma Tombo, 28 septembre. Dans un raconté à mon effet, la rambine à l'université, à mon valama. Il t'a rambine à la fête d'une bimba. Jibril Azina Randormani, c'est un jeune. La Guinée, c'est un pays de propagande. Il fait de la propagande comme tout le monde pour avoir son gain. Afin d'avoir le sport. Donc, quand on vous dit au Tori, on voit le Tori et Ramiri la barricade, comment ils ont traité Saliba. Peut-être, on a vu notre malheur et on a collé Mortagi, nous on ne fait qu'analyser. Et on a dit Madrarina et Yakanarina, parce que la criminalité vient de là-bas. N'a rien vraiment dit. Mais Rigam fait la Guinée, il t'a samouya Tima, ça a commencé là-bas. Et t'en as pas, et t'en as fait un porteur basket. Ces gens-là. Donc, KPC, ou à ma jibouille, a dit, sous Ferras, qui a sonné, naï. Mais KPC, tout le monde a la défaillance. Défaillance, n'a pas de moune, moi, si là. Bonjour, bonsoir. Miguel, à la moune. Comme disent Dieu dans le Coran au prophète Sali. Parce que dans quatre que malin, parce que dans quatre, quel que soit son statut, dans quatre là. Dieu dit au prophète, il dit l'être humain sous le coup de certaines illusions, de certaines manipulations, de certaines perversions qu'il a fabriquées dans son subconscient, croit pouvoir effacer le destin de son prochain. Or, tout ce que l'être humain entreprend, c'est dans un ordre supérieur qui est l'ordre divin. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Prends ce renard dans la lumière. Il a plein d'ana, entourage a plein d'ana, comme disent au prophète Sali. Et il y a le plan du planeur par excellence. Il y a un plan Colombie. Donc, il y a un homme qui dit qu'il y a un destin canadien. Non. Et on a un mato, à Colombie, Duniama, quelqu'un qui a un haut statut social. Alors, KPC, là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, comment on peut savoir que son déclin est proche? A Colombie, Duniama, il a fait un peu de temps, il a fait un peu de Goliath n'a pas de gagne. Haroun Blanogan, Kobri n'a pas de gagne. Comment il s'appelle? L'autre là, comment il s'appelle? Il n'a Abu Djaral, il n'a pas de gagne. Dès que tu vois quelqu'un comme KPC, il commence à s'attaquer à un pauvre. Mais il n'a pas de gagne. Il a colo son déclin. Son humiliation n'est pas loin. Son humiliation n'est pas loin. Non. Parce que, on a connu, dunyama, statistati, attendant prophète Ebirinda. Ebirinda, niveau kere, sur le plan de la prophétie, mais rastate kere ma. On a rendu la tienne en dérouma. Donc, dunyama, ou ma statue est qu'elle est mort. Alors, la statue de fille dans ma société, oui. Il va à stocker qui? C'est toi qui connais ton qui là. Il va voilà. Il a rien. Et ta moussé, c'est là-bas, ma. Et vraiment. Ton ami, il n'a pas l'air, il n'a pas l'air. Akolo, il y a l'air, il va là. Il va y a l'air. Jibril a dit, je vais te dire,
Bonjour, bonsoir, la sœur. Jibril, je vais te dire, hey, comme dit Dieu dans le Coran, parce que dans Jibril, j'ai Coran, on dit, voilà, c'est qu'il y a de force et de puissance qu'a dit. Mais si on a ma défense, faiblesse, mon arme, ma Jibril a dit, je vais te prendre l'exemple. Parce que, il t'a dit, Jibril a dit, il était tôt, sur le plan matériel, sur le plan de statut social, il a mené dans ton subconscient, il a non de mon homme qui a pensé gréder. C'est manque de connaissance, Jibril a dit. Après la 20 ans, Jibril a dit, mon homme qui a pensé gréder. C'est manque de connaissance. L'être humain, quelle que soit sa force, quand je te prends, Ibrahim alayhi salam, face à Namrud, quelqu'un qui se réclame Dieu, quelqu'un qui a commandé le monde. Ibrahim alayhi salam, famina sabara, business et rabafa, il a quoi? Kerem, bavé à Aguinera, Sarai, bavé Nara. À nous, à cousin de l'autre, mais il y a un monde à faire, face à une armée terrestre, Ibrahim alayhi salam peut faire quoi? Mais l'être humain a toujours des faiblesses. Parce que toi, Jibril Azi, tu t'es concentré sur les forces de KPC. Alors, il y a un autre qui a KPC en argent. AKPC a des relations, il peut me détruire dès que tu dis ça. Jibril Azi, Dieu donne la force à AKPC de te détruire. L'être humain ne te sous-estime jamais. Je vais te raconter l'histoire de Talut. Talut a pris une armée de 80 000 personnes. D'aller combattre une armée de mécréants, des balas, samoura et autres, une armée de Goliath, de Talut, une armée de Talut, Goliath avait une armée de 300 000 personnes. Talut et aussi entre, il y avait une fleuve entre bon, Jordanie et l'autre là. On a fallu l'armée tester pour voir les plus courageux. On a Yéron m'a mis en soi, là, on a yémi yéroure kouide. On a soura tout le bagarre d'un coup. On a yémi ma, on a dangi, belaga, quoi qu'elle n'a pas de soronti. Il belaga yakere, on a dangi la de. N'a armé de 80 000 personnes, Jibril a dit, et mouna ten idée, 80 000 personnes, et bien n'a régi, on a nous 4 000 personnes. Na 4000 personnes, n'est-ce pas, il y a 4000 face à une armée de 300 000 personnes et pas n'importe quelle armée, une armée dont le chef de guerre s'appelle Goliath. Goliath, seul pétier de 4000 personnes. Na 4000 personnes, alors en général, pas de colonquine, Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ndelaga Volfoni Tongo. Ben Goliath ni maler naga. N'armée de 4000 personnes, il y a pas trip sur le nombre exact. Certains savants disent que c'est 313 ou 317. Il y a des divergences, mais on prend 313 personnes. Et Goliath ni maler naga Jibril Azi. Une armée de 80 000 personnes est réduite à une armée de 313 personnes face à une armée de 300 000 personnes armées jusqu'aux dents. N'alors, parce que toi, tu es concentré sur les forces de KPC. KPC a des défaillances. Soit tu passes par sa femme, par ses enfants, parce qu'il a des défaillances. Faut pas te laisser faire. Non. Utilise tes pauvres moyens contre lui. Quand
face à face nana armée nana rana Goliath na nina lowe bala samora siama kanke magani na kuya birimbe bangbala birimbe siama kanke magani na ndemi ni mato hamaria na ngara gine vindika ya ginera gumadi mudu mini mato nga baba ludi munai siama ete kanke magani na. Mais l'être humain a des défaillances. Non, le roi, ta lutte d'ori, la ramina, ira, chefra, rouara, amiri soto, la ramina, Goliath contre KPC, bakavrila, miséraba, djibouilazi, dumadine de rassambinara. Dumadi Lama, Ayamou de Gamano, David, il était très jeune. Alors, ça m'a dit, là-bas, il m'a dit, il m'a dit, il est obligé à avoir sa matou. A femme en aura. T'as tout dit, elle m'a quand même gagné mandat à Dibar Sarahaïki. Prévère David Nare Mumba Sarahaïki. Il t'a ramené par Sarahaïki. Au moment où lui, il faisait cette démonstration avec arrogance, avec ostentation, David était concentré sur ses forces personnelles. Et chasser les faiblesses de Goliath. Alors, je vais s'en tomber. Parce que Dieu te montre des trucs. Il faut seulement regarder l'environnement. Il faut seulement remarquer. Dieu te donne des trucs. Comment abattre un pervers. Alors, David n'a dit fait. Alors, je vais trouver un saran lissard. Alors, je vais tomber. Alors, je vais m'en faire. Alors, je vais s'en tomber. Alors, je vais s'en l'antifou. Alanti frifira frifira te fop. Gemeza so Goliath ya frinta gibele. Goliath brafara. Gere ya moussegonde li. Quelqu'un que tout le monde pensait imbattable. Il n'y a pas quelqu'un d'imbattable dans cette terre-là. Jibril a dit, on laisse David. On revient sur prophète Youssouf. Un autre exemple. Prophète Youssouf vendu comme esclave. En Égypte, en Afrique. La femme d'Aziz, du ministre, il a accusé Youssouf de viol. Et nous, Youssouf, ça. Et dans la cour de Karabéna Gouma, Dumadi Tondira, Dumadi Benduma Rambima, Aziz Nasso, ministre Nasso, ministre de la Guinée-Bourame, en avant de la Marakemebe, en avant de la Marakemebe, en avant de il confie en sa renarama. Il t'aime la mini. A lui roi. A va falloir baguera guinema à la violer. A viol fera te du medi rum. Youssouf alayhi salam rum. Nanoua. Youssouf alayhi salam lura le tangibouil azi. Non. Lui il était esclave. Parce que tangibouil azi n'a pas qu'il n'a bon. Je ne sais pas si tu es là, parce qu'il a dit un problème dans mon monde. Youssouf, lui, attend une solution de ta mouna. Parce que lui, il a été vendu à Aziz, à Miserba. Mais Youssouf, à Matone, il faut regarder l'entourage, l'environnement. Tout le monde a des faiblesses. Youssouf a regardé cette femme. Nous sommes dans l'histoire qui, parce que nous avons dit que nous avons pour dédouaner Youssouf, nous sommes à Kitab matin. Mais qu'est-ce que Youssouf a fait? A Kolom, fait la ramini la qui, en dehors de la bandi qui, qui a dit problème la thème à ma soit ta femme. Il faut quelque chose pour qu'à minima la bandi qui est. Et c'est un esclave. Non,
Youssouf a fait quoi? Il a su que c'est des grandes dames, les dames de la grande classe, de la grande sphère. Et Moutima propagande là. Ministre Raguinet Moutima, et nous, surtout esclaves, c'est erré ça. Milieu en appelé, ah, le ministre Raguinet va m'engager, il y a autofoyi, esclaves. Youssouf a commencé à faire de la propagande. Atoba Bintara, Guinée est obligé d'expulser Youssouf dehors. Parce que sauver Guéliati, c'est une façon de libération. C'est Youssouf même qui a dit qu'il veut aller en prison. A préféré. Parce qu'aller en prison aussi, c'est une sorte de libération aussi. Faut jamais, parce que Miguel Alves Guéli, ce n'est pas de l'humiliation, parce qu'à ce même bon ribetou. Non, Guinée Youssouf Rane Guéli. Parce que, propagande, Ribel et Bamini, a fallu faire un blanc esclave dans le fort. Marais ont dit, Youssouf Minima Guéli, le ministre se farne dans le roi, et n'aura Guinée, femme et coton katana. Parce que Youssouf n'aura Minima Guéli, a fallu faire rare et connaître où les gens sont à mouvement. Histoire d'Angiri Kinaret, Texas, et Rafera a expliqué. La femme était obligée de venir expliquer. Et manipulation là, n'a pas rien à Youssouf Rangel. Pourquoi toi tu as peur de KPC? Tu as peur de KPC, lui il est qui? Il est qui? Regarde autour de KPC, il a ses faiblesses. Attaque-lui sur ses faiblesses. Je vais te raconter l'histoire, une autre histoire. Ces mauvaises graines-là, j'ai dit à tous les bascotiers, sur le plan, un honnête qui n'est politico-intellectuel, les cassoniers et autres, sur le plan religieux, hélas, Mamad Saliou et autres, sur le plan coutumier, hélas, Serouna et autres, et sur le plan entrepreneurial, KPC et autres, Basse-Guinée-Diona-Gavoya. Parce que c'est eux les sources de nos problèmes. Inato Basse-Guinée-Naïki, c'est eux les sources de notre problème. Il faut les affronter. Je vais vous raconter l'histoire d'une fourmi. Ouramato, même dans la société des Dondoli, comment ils vivent? Ils ont fait l'expérience avec une fourmi. Et Dondoli Nantongo, et là, mais ils ont mis des microscopes pour agrandir la scène. Et les arbres étaient sous Kassa, Dondoli Nantongo, là, Souka Tongo. Kéré. Anas a Dondoli communauté informée. Ana wofa mba mini suka ma irende. Mba mini doni ma irende. La communauté est venue en vague. Mais dans une communauté rassemblée, les blancs ils ont fait quoi? Et là, suka bi ramasse nama. Et tout suka bi ramasse nama. Communauté de Dondoni nanfa. Et là, nama to, et moussuka to. Ah. Et là, di attaque. Naga se relire. Suka namide. Et là, qu'on est Dondoli là, on est bon retardé. Communauté s'est retournée. Ce même Dondoli, sous microscope, est revenu encore en charge. Avant la famille animato, avant la famille animato, avant la famille animato, avant la famille animato, avant la communauté iré. Avant la famille animato, communauté mana sa kware bene manga so fonte mana ga suka biri mamba communauté de Dondoli a venu encore makolo e mana wewe e na vola dibe e tana kone tane bo rabuna. La communauté s'est retournée encore pour la troisième fois. La même fourmi est revenue encore amana ga li suka sarna atali suka sarna. Amanda Kerentongo a dit la guida à communauté iri. Amandile, Benou, Amanda sa communauté informée à Rafa,
Fonte mamba suka ma komeni. Atova son communauté pour la troisième fois. Dondole, et puis il n'a rien mal. Et là, bomboye dondole kerena, et bomboye fa. Donc des mauvaises graines comme des KPC, des tricras. Pourquoi avoir peur? Vous voyez comment la communauté de Dondoni même, ils ont réagi face aux mauvaises graines. Quel que soit son statut, quelle que soit sa valeur, une mauvaise graine, c'est une mauvaise graine. Il faut l'affronter. Un homme a faradé, un homme a fait venir une abatte. Attenant à Colo. Ça ne va pas me dire que je vais la Guinée. Et là, je n'ai pas été un fait naïque. Elles sont dans le roi. Mais il n'y a pas de CNRD. Il n'y a pas de CNRD. Ne va pas être un premier. Il est là. Ah, mon général, tu es rétrogradé. Oui, mais tu es rétrogradé. Donc, c'est ici qu'on t'a rétrogradé. Il y a un général de roi. Ne va pas être un premier. Il va à toi. Tu l'as mis en enfant. Et puis, KPC fait vers la Barbie. Jibril a dit, Dieu dit à Moïse. Parce que, quand Dieu, alors nous, Moïse, nous là pour la première fois. Quand il a dit à Moïse, il dit à Moïse de prier. Alors, dans Sourate Tara, il dit à Moïse, il faut prier pour que tu te rappelles de moi. Parce que, alors, Moïse, Dunia yon iba ma kore. Anana gato, Moïse gama ruidi y roli la. Parce que la tango en kolon ou yete be peut-être. Na dunia yon fe wanyi tamu ger Moïse ruidi tongode. Dieu a transphrasé. Autrement. Dieu dit à Moïse. Il dit oh Moïse. Dunia tamu yon madou. Anana mais la mort ne prévient pas Moïse. Mais Allah nous a prévenus. KPC, vous faites la rambri, ne pas ma béliki. Ou à contre-dire, c'est Dieu qui dit à Moïse. Mais Rebecca m'a parlé de c'est Dieu même en personne qui dit à Moïse. Parce qu'à bas, d'où n'y a rien fait, voilà. D'où n'y a rien fait, à ma rouille, ton mori. Il dit maintenant à Moïse, il dit au Moïse, la mort ne prévient pas. Mais moi, Dieu, je vous ai prévenu. Que tout homme goûtera à l'amour. Ripisa Mounaï Dunia, non. C'est vous, les basse-côtiers, qui avez rendu KPC puissant. Non. Wattana Nassembe Fira. Dieu dit quoi? Dieu s'adresse à Moïse. Il dit, oh Moïse, n'oublie pas l'amour. Car l'amour ne t'a pas oublié. Dunia t'a mouillé. Mais tant KPC, Dunia yomane. Et puis, il n'a pas fait béki. Après, il n'a pas fait béki. Il fait comme il n'a pas fait béki. Un jour, le prophète, l'ange Jibril, parce que, Duniama, Maléke, détruit-moi. Ou bien, une communauté, un messager rassemblé, ou bien un prophète. Non. Il n'a pas fait béki. Faut dans nous. Capez ça nous, il a prophète nanaki. Mais ben dans ma radie, non, mais il y a un prophète. Naga, il m'a sendé manon di runa. Il a un prophète. Mais ben dans ma radie, prophète, non. Parce que ton prophète m'a warni. Quelle est sa mission sur cette terre? À ma volade, le prophète n'a jamais dit qu'il est venu pour que les gens prient, non, non, non. Depuis le temps des temps, depuis Adam, les gens priaient. Le prophète n'a pas besoin de venir ici dire aux gens de prier, non? Non. Quand ils ont demandé, c'est que la cause même de sa mission, il dit, je suis envoyé que pour parfaire vos comportements. Il n'a pas dit, je suis venu pour vous dire de prier. Hein? Parce que la prière amène à quoi? Au bon comportement, au bon voisinage. Et ton KPC, et ton basse-côte canafena, basse-côte de canafena, tu penses que tu es plus malin que qui? Là,
Quand Jibril dit au prophète Moïse, il dit, oh, il y a Mohammed. Alors, prophète, alors cherche à vivre comme tu veux. KPC, cherche à vivre comme tu veux. Tu tireras Guinée, Salah Alphonse tira Guinée, Sendera Guinée. Dieu dit, le prophète Jibril, l'ange Jibril, il dit au prophète Mohammed, un jour, ne l'aura pas né. Il est au mariage à Alors le prophète Mohammed ben, dit, oh Mohammed, alors cherche à vivre comme tu veux. Un jour, tu vas mourir. Il dit, oh prophète Mohammed, aime qui tu veux. Il faut savoir qu'un jour, tu seras séparé de lui. Aime qui tu veux. Un jour, tu seras séparé de lui. Du business là-bas, on nous dit, on nous, maman dit, Doumbouya, on nous sait comment qu'on a dit, mais un jour, l'ange Jibril dit, tu seras séparé de lui, prophète Mohammed. Il dit, oh Mohammed, fais ce que tu veux. Un jour, tu seras récompensé selon tes œuvres que tu as faites sur cette terre. C'est l'ange Jibril qui dit ça au prophète Mohammed avec tout son sérieux dans l'oreille. Dans l'oreille, il y a des gens non. Non. Afin de l'oreille, c'est que il dit au prophète Mohammed, oh Mohammed, fais ce que tu veux, mais un jour tu vas mourir. Aime qui tu veux. Un jour tu seras séparé de lui. Il dit, fais ce que tu veux, mais un jour tu seras récompensé selon les œuvres que tu as posées sur cette terre. Donc, KPC, il a tout miré, il m'a sendé sendema. Parce que le problème, c'est pourquoi le prophète dit qu'il est venu pour parfaire les comportements. Parce que quand Dieu parle au prophète Moïse dans Sourate Tara, il dit quoi? Quand il dit au prophète Moussa, il dit, oh Moussa, bientôt ce monde va finir, il faut prier pour que tu te rappelles de moi. Dieu n'a pas besoin de vos prières, non. Dieu veut dire quoi? Parce que la prière, nous impose trois choses. Un, l'équité. Il t'a le cas pécé, moi, ma fille, là, il est là. Il est là, il a ma mère, là, la Guinée. Ou pas, il y a, sportier, biring, a fait Canadé. Ou pas, il y a la Guinée, cabiring, a fait Canadé. Fait bien que la Guinée, Yaminati, KPC, on dirait Saint-Dié. Dire à Mini KPC. Mirina Bifou KPC. Mirina Sigisa KPC. On dirait Saint-Dié. Ces trois injonctions et ces trois interdits-là, ne l'endurent d'or. Un, l'équité. Deux, de faire du bien. Trois, de t'occuper de tes proches. En groupe et en communauté pour que on se reconnaisse entre nous. Alors que on a un bon remède. À ma fille, de on a un bon refara. Non. Non. À ma fille, si on se nous se sera bon refara. Non. Alors, en mode d'arrivée, là, le cours a un bon remède. On a un bon remède. On a un France, il y a quoi si? Eh, seulement si la barre, il y en a dit, pam, pam, pam. Ah! Il m'a envoyé à yo, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, il qui n'aide, mais qu'est-ce qu'il fait là, il qui n'aide. Dieu nous a créés pour ça, parce que Dieu sait que la vie là se repose sur trois choses. Un, la confiance. Deux, l'espoir. Trois, la foi. Sans l'espoir, l'être humain meurt sur place. C'est pourquoi Dieu nous connaissant, il nous a créés en groupe et en communauté. Ce n'est pas pour qu'on se détruise, KPC. Non. Non. Et la prière nous amène à trois interdictions. Un, la turpitude et la perversité. Pensant que vous êtes malin,
la turpitude, la perversité. Deux, ce qui est blâmable. Nagan na tongo. Mirira liberté tongo faille. Wona kina sebi ni tongo wa vidéo bela. Nous abivu ve vonka peserili. Nous andege ve vonka peserili. Ngalu fra vonka peserili. Sigi yo sigi. Habus na na sigi sa ma kapese. Levi bobo kapese. Sende bobo tenen yalo kapese. Bon evlidi. Yel kababim tu si la kapese. Azaya bailo yalo kapese. Ça c'est de la perversité ça. Alana netana. Parce qu'alana nourri. Il nous a bofa yamina ya. Allahu akbar. Il y a qu'on a créé Amina, Allahu Akbar. Il y a prié Amina, Allahu Akbar. Donc toi, KPC, tu es devenu Dieu en Guinée, quoi. Il y a l'abbé, KPC. Il y a Basse-Guinée, KPC. Forêt, tu penses que KPC, je vais te dire une chose. Personne n'a réussi dans ce monde-là qui n'est pas en harmonie avec sa famille, descendante, ascendante ou collatérale. Non. Ça n'a jamais existé dans ce monde. On a fait un goût mal à Guinée, c'est pour un temps, mais pas tout le temps. Non. Parce que vous êtes les amis du Satan. Satan a mis en aura, c'est que quand on aura une doumbouya groupée, vous pensez que je vais vous raconter l'histoire du Satan, KPC. Parce que Satan, quand Dieu a dit à Satan de se prosterner devant l'être humain, pensant que lui, il est né avant l'être humain et lui, il est fait du feu. Non. Satan, parce que Satan, c'est compte tenu de tes ambitions, démesurées, de ton ego, il nourrit. Sinon, même ton père spirituel, Satan, il était une très bonne personne. Il était même parmi les anges. Mais à cause de son ego démesuré, à cause de son arrogance, il a fini par être en perdition. Nanorabemba, 7 ans, il dit à Dieu, donne-moi un peu de temps, je vais te montrer, je vais égarer tous ces gens-là. Il a regardé là. Adam, il m'a voilà Adam en enfant, il dit ok. Il dit, je vais les égarer tous. Dieu dit ok, mais Dieu aussi dit au diable, tu ne pourras pas égarer mes serviteurs sincères. Parce que KPC n'a jamais été sincère. Wotana bas Guinée Kala, wana Guinée Brikala. Parce que, wana Guinée la renfort là qui me sataniste. Parce que, qui est le diable pour Dieu? Parce que, mais rien avant tout, on dit Dieu, et le pouvoir, et il a créé le contre-pouvoir qui est Satan. Non. Sur le plan apparent, là, vous pourrez comprendre qui pense que Dieu a créé le contre-pouvoir. Non. Non. Dieu n'a jamais créé un contre-pouvoir. Non. Dieu ne peut pas affronter le Satan. Non. Comme la vérité ne peut pas affronter le mensonge. Non. Non. Dieu peut prendre Satan, il le dit à Pharaon. Dieu peut prendre le Satan à ton bras ou à ma fille, mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que Dieu a un plan. Satan rentre dans le grand plan de Dieu. Le diable sert à quoi? Il ni n'amato, otanam batumana ki kapesi. Ça sert à quoi pour les hommes sincères? Les hommes qui ont une classe, qui ont la foi, il sert à quoi? Ça sert à l'élévation spirituelle. Parce que quand le diable te traumatise, il te rend plus fort. Le diable m'a, c'est qu'il m'a secoué. Maintenant, pensant que
Et vous, babé la pension, Kana la Guinée. Et vous, raffermirin Kana. Pensant qu'ils peuvent jouer sur notre devenir. Non. Ils ont joué sur mon avenir, mais pas mon devenir. Voilà, Nangou Malaki, KPC. Voilà, mon meilleur avenir canadien, mais leur devenir, vous ne pourrez pas. Vous êtes dans le grand plan de Dieu. Dieu vous utilise. Dieu a piégé Satan. Avant d'y entrer Satan Mike. Attenant l'intam Madouna il est dit. Arade la l'intam Dounia il est dit. Le Doumbouya, le KPC. Aba Wani Tiwo. Parce que KPC, malgré celui de Sosé Banama, Amourima. Amourima. Parce que Dieu n'a pas puni directement Satan. Hein? Non. Mais comme Satan dit, il ne peut pas prosterner devant l'être humain. Dieu a fait que Satan, de façon indirecte, travaille pour l'homme. Comment? Pour son élévation spirituelle. Il faut être seulement ignorant pour dire que c'est pourquoi j'ai dit à Djibril, c'est que on ne court pas. Satan, il est là. Il sait que Dieu passe par lui pour t'élever. Il faut l'utiliser. Un pervers, tu l'utilises pour ton élévation. Pour finir cette vidéo, il va m'avoir pu à faire. T'as péché, il y a eu des grands dans ce monde, des pervers, qui se pensaient, c'est que, et un monde m'a détruit. On va commencer par l'histoire d'Haroun, le cousin de Moïse. Il a amassé de la fortune, il en a qui, il en a qui. Ali Dagi Madele, il a sauvé Banna. Haroun, l'orgueil dans le Coran. Si on a quoi, on a entendu Mouarangi. Mais est-ce qu'il y a un Guinée imam? Haroun, il a mouru, comme toi, KPC. Moi, je me suis fait moi-même. Parce que Haroun, il connaissait l'alchimie. Attenant, il a ouvert bien, attenant, il a fait voler d'une. Anou rebelle, il y a la hors blague. Anou mire bon bébé. Pensant qu'il est le plus malin. Ne sachant pas qu'il était dans le grand plan de Dieu. Dans le Coran, Dieu même dit Anarara, Kouabiri, c'est matériel, Narana, diamant, nous c'est. A Balama, Raboutique et Balama. Anarara, qu'est-ce qu'on a la Rabanke? A Balama, Sabi Narana. Nasabi Noumalam, Fobala Samoura, Mamadi, Nakafri Fore Fera Tama, Hamam Rimano, tellement ça vivait. Mais KPC, ton frère spirituel Haroun, comment il est mort? Un jour, par arrogance, il s'est attaqué à un faible. Parce que, sur le plan spirituel, Moussa, c'est un prophète, il lui dépasse. Mais sur le plan matériel, parce que Douniam n'a pas voulu Torah, le pragmatisme capitalistique, Brina Seka il n'en faut. Sur ce plan de la perversité, ton frère Haroun, il avait un haut statut comme toi KPC. Un jour, il s'est attaqué aux pauvres, a attaqué Moussaram. Il a rassemblé les gens. Moussa Mouma, parti d'une femme. Moussa Sgane transit le Rwanda Sanatongo. Moussa Ndena Fera. Un autre jour, par arrogance, c'était le jour du marché. Louma Lorande. Adangife, le prophète Moussa Anawenfe Mirede. Marché, le roi, marché, la ferie. Haroun, à cause de son arrogance, parce qu'il était imbu de lui-même, parce que lui n'a pas de défauts, il est indestructible. Mon ami KPC, tout le monde a des défaillances. Non, non, ouais, en plein marché, Birina Loumama, Haroun dit à Moussa, il dit Moussa, tu as l'avantage sur moi d'être prophète, parce que il est ouya, il n'a pas couillé ma tengédie. Mais moi aussi, j'ai l'avantage sur toi d'être
qui je suis le plus riche. Et le développement personnel, parce que c'est celui-là, Haroun, qui a dit ce mot-là pour la première fois. Le développement personnel, je me suis fait moi-même à partir de ma connaissance. Dites un homme, il s'est fait la dentambe. Alors, Moussa Benalora, si tu es homme, invoque contre moi. Moi aussi, je vais invoquer contre toi. Alors, Moussa Ndankaba, Mouvangi Danka, Iramato, Ovidal, on aura un besoin. Pensant que l'argent, comme tu penses KPC, c'est un gaz. C'est que, Itambe, ce que c'est un gaz de mérite. Parce que ton ami, ton frère Haroun, il pensait que l'argent c'est un gaz de mérite. C'est qu'il est méritant devant Dieu. Non. Dieu donne l'argent à qui il veut. Tu peux gagner ton argent par la perversité, la manipulation à outrance, faire tuer des gens, ramasser des corps au 28 septembre, faire n'importe quoi. Mais Dieu t'attend. Il dit dans le Coran, Anaraouni ma mère, la Birmir Sadi, le jour de la certitude. Il m'a calmé tout au malone, mais ben il rentre tout. Haroun, ton frère. Nanoua, bah c'est lui. C'est lui-même qui a provoqué Djibril Azi. Moussa alayhi salam a invoqué Dieu. Il a dit à la terre d'engloutir. Ton frère KPC, Haroun l'arrogant, la terre l'a englouti. Et non, la famille Biri. Et Biri Vane, de façon très désespérée, fais attention aux gestes que tu poses. Haroun, et non, la famille Biri. Et Farane, Amen Afle, Ensendou, bien, Galo, Gorema, boum, la terre les a enchaînés. C'est que, englouti, Goro, Boribouma, et lui, en la famille, n'a assez mouton sur le. Fais attention, KPC. KPC, ton deuxième frère, Goliath. Pensant que c'est lui le plus fort de tout, sur le plan relationnel, c'est lui qui a tout. Il a affronté qui? Un jeune de rien du tout. C'est lui qui l'y a humilié. Les 300 000 soldats et qui 313 personnes y a. Et si on va s'attaquer à sa famille. Et là, Goliath a dit, il a dit, en Arabie Saoudite. Nathan de Rambukia, c'est le temps du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Dieu dit dans le Coran, KPC, il dit ne soyez pas comme les gens qui sont sortis de leur maison avec orgueil, avec perversité, avec ostentation pour partir, qu'ils vont partir de vieux qui. Nathan de le prophète, Semounéi, il voulait avoir quelque chose à manger comme Irba Sera Seloumani. Il a tendu un petit piège. Abou Soufiane, très malin, ils ont compris que le prophète, ça c'est la bataille de Badr. Le prophète veut intercepter leur convoi, leur diligence. Il a envoyé un émissaire vers Saoudia. Anawabu Mali, sorry Fera, parce que on veut être attaqué. Non, prophète, Emounougo. Parce que c'était l'an 2 de l'exil, à Nyavriende. Parce que Nanoro a fait vers Imer, mais il a précipitation dans Tongo à l'équipement. Parce qu'on a un homme à freiner d'Angui. Parce qu'il y a un pièce bébé dans mon taratema. Non, non, quoi? Prophète Goundi Barato, qui fait par la gorda rouge. Abou Soufiane, très malin, il a
le prophète a intercepté les émissaires de Quraysh. C'est que l'être humain, pour être intelligent, il faut contrôler tes émotions, ce que tu dis, ce que tu fais. Si toi, KPC, tu n'es manipulé que par ces balasamura, les Sekouba Konate, tu penses que tu as l'honneur, tu as ta dignité? Parce que quelqu'un qui n'a pas la dignité ne réfléchit pas. Regarde l'intelligence de quelqu'un qui réfléchit. Face à tes amis, les esclaves. Parce que tu es un esclave matériel. À cause du matériel, il t'en a 28 septembre, il y a ton modèle. Ils ont ligué ça à cause du matériel. L'esclave n'est pas intelligent. C'est qu'il n'est pas responsable de ses actes. Dieu demande aux deux esclaves. Anna, vous l'avez miré. Où est là? Et tant, le prophète lui demande, bah, est-elle donnée dans Qatar? Ostentation. C'est que Mirera ni tu es bien, ah, quand tu es mal à l'académie, tu as un boost de dépenserie, tu as un. Tu penses que ça t'amène vers où? Ta destruction? Tu prends l'argent où? Ça se suit, c'est des tombes. Ils ont dit, et là, mouillon, mais seulement on a mis des fois fou. Quelqu'un qui n'est pas sous pression, qui est un manipulateur, en a bon, approximativement, ils sont 900 ou 1000 soldats, contre une armée de 313 personnes. Encore. Nanoro, Abu Sufyan Fambara Raimissaire et Sende, il a compris. Prophète Rayoramema, parce que même un kafri, si tu n'es pas dans la perversité, tu es intelligent. Abu Sufyan, regarde ce qu'il fait. Lui aussi, il a envoyé ses émissaires. Et là, il a envoyé autour d'Angira Bébili. Ah, Mirena Mounir Firinton est tiré à Kankemani. Abu Sufyan est parti vers là-bas. Il a envoyé Tongo, il a envoyé Tongo, il a envoyé Wotoroto. A tout ta mère, tu as quoi, là, voilà. Ma que ta mère est naïque. Yé, c'est un random wiki. Ma que, y'a bien naïque, c'est moi, dis donc. Abu Sufyan a compris que le prophète veut poser son armée à Bad. Il a compris, et n'a même fait bien. Parce que lui, c'est un kafri, mais il n'est pas un manipulateur, ce n'est pas un pervers. Il a envoyé son émissaire vers Quraysh, vers Abu Djaran, le KPC. Il dit, ok, nous on va contourner la péninsule arabe, Moussa Gorbebi. Prophète Moutoma, on va le contourner. Mais Abu Djaran, KPC, attend tout le Djibril Hazira. A fois, honnête, dans le KPC, dans Abu Djaran, Abad qui n'a plus mes malades, femme farée borona. Femme farée borona. Lui pense que là, c'est que ce monde l'appartient, la Guinée l'appartient. Dans le Coran, Dieu dit ce jour-là. C'est pourquoi dans le Coran, Dieu dit même quoi en arabe? Yomal Furhan. C'est que le jour du discernement. Ça, c'est le jour de la vérité. Ils sont sortis dans leur maison. Avec constatation, orgueil, qu'on va finir avec ces anciens. A Colomb, KPC, Abu Djaran, Layon, Kinara. Yvino Bawa, Kouyafé, je vais revenir, Inch'Allah, sous tome 2. M'fa, même, continue sur cette affaire-là. Continue. Etelan, Najibri, Razi, Soufé, Irata, Soyi, Maninkei. Continue pas, KPC. Continue. KPC Ramadan, conseille ton mari. Akolana Falama, comment il s'appelle? C'est le bébé qui naît. À leur maman, à leur enfant, à leur femme de les conseiller. Si tu vois ton mari en train de poser des actes qui peuvent rattraper tes enfants demain, toi demain, conseille ton mari. C'est toi
tu dois être la première conseillère de ton mari. Il a jamais voulu attaquer des bascottes, Miré. Non. Kapesera Guiné, conseille ton mari. Il y a des gestes qu'on ne pose pas dans ce monde-là. Non. Aralu, Amane Rassiga, Eza Djibril Azizou. Bala Samora Rassiga. Idiamine Rassiga, Anietagi. Arabira Minayama, c'est un bascottier. Lui et ses anciens. C'est Doumbouya même qui dit, lors de son exposé en France, il dit que la Guinée n'est pas composée, il dit c'est divisé en quatre régions naturelles qu'on n'a rien en commun sur le plan comportemental, sur le plan éducationnel, sur le plan traditionnel, que ces trois, quatre consortiums n'ont rien en commun. Capécie tient bascottier. Tina, sur le plan du comportement, c'est un même pays. Mais c'est Doumbouya n'est pas n'importe qui. C'est le président guinéen. Il dit que vous n'avez rien en commun. Comment tu peux les suivre dans leur perversité? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas vous suivre? C'est que nous bascottes des matos. Ça fait pitié. Pourquoi vous suivez les gens? Pourquoi les gens ne peuvent pas vous suivre? Ça fait combien d'années vous suivez ces anciens? Ça vous a amené où? Kassori, il est parti où? Fassina Touré, les gens qui ont mélangé l'eau, qu'est-ce que c'est le peuple qui a empoisonné l'eau? Il est parti où? Il est mort dans la misère. Dadi Germania, Bonabon. Quelqu'un même qui est parti dans son propre village, Bonabon, pour se venger de ses propres parents biologiques. Alors on dit, dans la misère, en ce moment, coulé matière, hein, espace FM, quelqu'un qui était de la noblesse tant de Dadis, vous, quoi nous ferons les rabats, ou barbourer à cause des gens. Pourquoi Mamadi n'amène pas Limba à Kanka? Pourquoi Afata Bandura Brade, pourquoi Mza Kanka Nabra? Pourquoi vous suivez les gens venir chez vous et vous amener votre perversité organisée, Mali, et vous à cause des miettes, et puis votre propre ressource, la bauxite se trouve où? La mer se trouve où? La pluie se trouve où? Les gens viennent, vous, à cause de votre ignorance, ils se font passer par des maîtres. Vous devenez des esclaves. Pourquoi Otamo Malamba? Ces anges-là aussi doivent vous suivre. Pourquoi? Mais KPC, c'est une série de vidéos. Parce que Moutambe, vous avez une limite. Moubarou Mato, Otanare, qui ces quatre consortiums sur le plan politico-intellectuel, sur le plan coutumier, sur le plan religieux, sur le plan de Moubara Amato, vous n'avez pas de limites. Donc, on est prêt maintenant à vous affronter. Ouais.